Au jour d'aujourd'hui, il est évident que la censure de Guinée-Matin est une atteinte grave à la liberté, mais aussi à la volonté des Guinéens de travailler dans un sens du respect de notre devise et également notre hymne national qui répète à tout bout de champ la liberté. Donc, au jour d'aujourd'hui, la Guinée est poignardée dans le dos avec la censure de Guinée-Matin. Et très malheureusement, la SHAC semble se résumer en quelque sorte à une institution qui doit mendier la liberté, comment dirais-je, de presse, mais aussi la liberté d'opinion auprès des instances exécutives. C'est ce qui est aussi très grave. Donc, une fois encore, il va falloir que tous les Guinéens se lèvent, tous qui sont conscients que notre hymne national et notre devise fait recours à la justice, mais aussi et surtout à la liberté, c'est de se lever comme un seul homme pour lutter et mettre fin à cette censure de Guinée Matin et tous les médias qui sont affectés par rapport. Il est évident que tous ceux qui aspirent à la liberté, mais au bien-être collectif des Guinéens, de se lever comme un seul homme pour mettre fin à cette censure, donc libérer Guinée-Matin pour la libération de la liberté dans le pays.